Bonjour et bienvenue à tous les Verseaux et les ascendants pour cette guidance générale du mois de février 2020. Alors gratitude à la communauté, gratitude à vous tous de me suivre en permanence depuis X nombre de temps. Alors je vous en fais davantage. Merci à toi d'ailleurs qui viens de nous rejoindre, de rejoindre la communauté avec ton abonnement et ton partage. Alors félicite-toi. Bienvenue dans la communauté avec nous. Allez, c'est parti pour la nouvelle guidance. Et c'est parti avec le message de votre ange Indigo. Partagez votre sagesse. Wow, c'est magnifique. Alors, ce que nous indique cette lame, tout simplement, c'est la connaissance, c'est la lecture, c'est vos études. Parce que nous sommes tous des êtres uniques, tous des gens authentiques. Et de partager votre sagesse, vos connaissances, vos études au monde entier en fait. Parce que pourquoi en fait dans ce monde nous sommes de plus en plus dans l'isolement. Au lieu de se dire partageons. Pourquoi ne pas être dans l'amour et pas faire le premier pas nous-mêmes. En parlant le premier. Tu te balades dans la rue, tu fais un grand sourire et tu parles le premier. À cette partenaire, à cette femme, à cet homme, peu importe qui c'est, mais commence à faire le premier pas et de discuter sur tes propres connaissances. Et c'est comme ça, parce que nous sommes des êtres sociables. Nous ne sommes pas des êtres humains désociabilisés que l'État, que le monde dans lequel nous vivons, nous avons été conditionnés depuis notre tendre enfance à être dans ce système-là, tout simplement, à rejeter l'être humain au lieu de l'accepter. Et ça, c'est vraiment dommage. Demandez de l'aide. Vous n'êtes pas une personne faible en demandant de l'aide. Donc, partagez votre sagesse, vos connaissances, lisez plus, apprenez plus. Formez-vous plus et vous allez voir des choses magnifiques vont se produire. Donc développement spirituel, développement personnel et le monde est à vous tout simplement. Nous avons du coup la lame de l'Atlantide. Bien sûr, ça vous indique l'Atlantide qu'il faut ressentir, qu'il faut vivre votre développement spirituel. Il faut pas attendre quelque chose, il faut passer à l'action, agir et être spirituel, c'est vivre et ressentir. C'est pas subir, mais passer à l'action, être entrepreneur de votre vie. Ça s'appelle le développement rapide. Plus vous allez vous développer rapidement, plus vous allez lire rapidement, mais comprendre ce que vous lisez et passer à l'action. Chaque livre que vous aurez étudié, à l'heure, des choses magnifiques vont arriver. Quelle est votre qualité? Quel est votre défaut? D'ailleurs, je vous invite à, même si c'est un petit peu long, à m'envoyer un message, à m'envoyer vos commentaires, vos 10 qualités, vos 10 défauts. Si vous en avez 20 qualités et 20 défauts, réduisez-les pour que ça soit une priorité. Lesquelles sont vos 10 qualités et vos 10 défauts? Si vous en avez que un ou deux, c'est que vous n'êtes pas assez clair avec vous-même. Donc, connaissez-vous en priorité. Visez l'excellence et vous viserez votre succès. Le processus de la réussite est là. Il faut vraiment en prendre conscience. Nous avons les prisons de l'âme. Alors les prisons de l'âme vous indiquent très clairement, c'est la libération des chaînes et le sauvetage. Pourquoi? Parce que vous êtes en fait sauvé par qui? Par votre intérieur. Il n'y a personne. Quand tu tombes réellement, et quand tu tombes vraiment dans la souffrance jusqu'à aller limite au suicide, là il y a qui? Tu es en face de ta propre mort. Soit tu passes à l'action et tu finis, soit tu reçois des messages à ce moment-là. Je ne t'invite pas à y aller, bien sûr.
Mais si tu es dans ce processus de descente, remonte vite. Je t'accompagne et je te guide pour pas y aller, au contraire. Et à ce moment-là, en fait, tu comprendras des choses. Ça s'appelle le sauvetage. Je suis en train de te sauver. Je suis en train de te faire comprendre que tu peux contrôler ta vie. Il n'y a personne qui peut te contrôler. Et la seule personne qui peut changer, c'est toi-même. Donc, avec des méthodes, avec des outils, je peux t'emmener du côté positif au lieu du côté négatif. Pose-toi un seul instant et regarde les pensées qui te traversent. Est-ce que tu as 9 pensées sur 10 qui sont négatives ou une? Ou est-ce que tu as 9 pensées positives et une négative? En te regardant, en t'analysant, je sais comment tu es, tout simplement. Fais très attention à toi. Parce que si, quand tu te poses, que tu as beaucoup plus de pensées négatives que positives, après le « je suis », qu'est-ce que tu dis en priorité dans ta vie, en règle générale, « je suis fatigué, je me sens pas bien », etc., etc., alors ce sont des pensées négatives. Et tu vises pas l'excellence, tu vises pas le succès, tu vises la désexcellence et le désuccès, tout simplement. Tu vises l'excellence du côté négatif au lieu du côté positif. Est-ce que tu nourris le loup noir ou le loup blanc, tout simplement? Le loup noir est le négatif, le loup blanc est le positif. Quand tu fais part des deux, tu ne peux pas nourrir les deux en même temps. Soit tu choisis d'être malheureux, malheureuse et tu subis ta vie, soit tu choisis d'être heureux, heureuse et des choses magnifiques vont arriver. Des belles opportunités dès que tu vas sortir de ta zone de confort. La solidarité féminine, l'amitié, la loyauté, les alliés, l'âme sœur, la joie et le plaisir seront pas au rendez-vous tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que tu passes par la solitude pour t'introspecter en priorité, parce que tu dois, c'est une obligation, de devenir la meilleure version de toi-même. Même l'obligation que tu as, c'est de te réaliser. Même si tu n'es pas obligé de le faire, tu subis ta vie si tu es une personne victime, il n'y a pas de souci. Victime, 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 je subis ma vie, c'est la faute de l'État, c'est la faute de mon chien, de mon chat, c'est la faute de ma voisine, c'est la faute de tout, c'est la faute de tout le monde. Mais c'est jamais la faute à moi-même. Prends tes responsabilités, tout simplement. Cette lame t'indique. Et une fois que tu auras pris les responsabilités, que tu deviendras la meilleure version de toi-même, ce qui est un travail de toute une vie, bienvenue dans l'école de la vie. Tu le sais si tu es ici, donc tu es une personne éveillée, donc félicite-toi pour ça. Il y a énormément de personnes qui sont dans l'inconscience et c'est malheureux. Et une fois que tu auras compris la solidarité, tout seul tu peux aller très très vite. Mais ensemble on peut aller beaucoup plus loin. Donc je te remercie pour ton abonnement et surtout pour ton partage, pour montrer aux personnes qu'ils ont eu tort de ne pas croire en nous, d'accord? Donc il y a énormément de personnes autour de moi qui ne me croient pas et il y a énormément de personnes qui croient en moi. Alors je vous remercie. Alors montrons-leur qu'ils ont eu tort de ne pas croire en nous, tout simplement. Et des choses magnifiques vont arriver. Merci la communauté. Voilà, tout simplement. Les lames de la libération de l'archange Azraël vous l'indique très clairement. Une phase ou une situation qui va connaître son dénouement. Dès que vous allez vous transformer spirituellement, vous pourrez passer à autre chose. Pourquoi? Parce que l'heure est venue pour vous et c'est le moment de vous transformer, de devenir la version de vous-même, d'être vulnérable, d'être authentique. Pourquoi avoir encore ce masque avec un grand sourire? Ah, je suis heureux, je suis heureuse. Et quand tu rentres chez toi, tu es triste d'être dans la solitude. Tu t'ennuies, tu sais plus ce que tu veux faire. Tu tournes en rond parce que tu n'as pas d'objectif de but bien précis. Dès que tu vas être occupé à faire quelque chose que tu aimes, qui te fait vibrer, alors le temps n'est qu'illusion et le temps ne va passer à une vitesse. Tu vas dire, mais j'ai déjà 90 ans. Wow, ah, j'ai bien vécu ma vie.
Ah, je suis content. J'ai pas de regrets. Non, je regrette rien parce que j'ai osé. J'ai été quelqu'un vulnérable. J'ai été authentique. Et qu'est-ce que c'est libérateur d'être soi-même. Bien sûr, énormément de personnes vous diront de pas être vous-même parce que nous vivons dans un monde où chacun essaye de faire de vous une autre personne, vous comprenez? Et ça, c'est le défi le plus difficile à relever. Voilà, tout simplement, les amoureux, l'archange Raphaël vous indique des relations intimes, de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre et toujours vous focaliser en priorité sur votre santé. Ce qu'on appelle le SAS. Pour moi, j'adore dire le SAS. Ce qui s'appelle la santé. Le SAS, pour moi, c'est la santé, l'alimentation et le sommeil. Voilà. Donc, si vous avez qu'une chose à retenir, c'est le SAS. La santé, l'alimentation et le sommeil. Je ferai une vidéo sur ça. La reine de feu vous indique la confiance, la chaleureuse, l'intelligence, la gracieuse que vous êtes. Déployez vos ailes et prenez votre envol. C'est moment d'agir, vous comprenez? Ne vous sous-estimez pas. Pourquoi en permanence vous avez une faible estime de vous? Parce que vous donnez raison aux autres depuis X nombre d'années. Tes parents, tes professeurs de l'époque. Oh, ça fait 20 ans que tu vois plus tes professeurs, tu comprends? Et tes professeurs qui t'ont dit, mais je crois pas en toi. Ouais, mais est-ce que tu les vois encore? Non. Tes parents, quand t'es revenu avec une bonne note, et qui t'ont dit, mais dis donc, j'en reviens pas de ça. Oui. Ce sont des croyances et des blocages. Et tu leur as tellement donné raison que ça en a fait une certitude, c'est une croyance limitante que tu as à l'intérieur de toi. Et il y a des croyances aidantes au lieu des croyances limitantes. Et je t'attends en consultation privée pour pouvoir t'aider à t'améliorer. Je t'accompagne et je te guide à longueur d'année, tout simplement. Et le plus important, c'est d'affirmer ton indépendance et ta créativité. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres créateurs et d'être dans l'amour. Pourquoi vivre tout seul? Parce que quand tu es heureux, heureuse de vivre toute seule, alors tu vas amener, la loi de l'attraction va amener à toi une personne qui sera pareille que toi. Et là, des choses magnifiques arriveront à toi. D'ailleurs, je le sais, il y a certaines personnes qui me suivent et qui me connaissent. Et vous le savez que nous avons la même vision de voir les choses. Alors, vous le savez, je vous remercie pour ce que vous êtes réellement, parce que être seul est un choix aussi, et si on est autonome, indépendant et qu'on s'aime nous-mêmes, alors nous allons attirer à nous une personne pareille, et donc du coup deux personnes pareilles vont faire des choses magnifiques, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Si vous voulez une consultation privée, je vous attends de l'autre côté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à diffuser cette énergie que je vous amène jour après jour. Je vous aime, prenez soin de vous et ensemble, on avance, ensemble, on progresse.